Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super. On se retrouve aujourd'hui les amis pour un nouveau nomode absolument incroyable. Un nomode qui va vous être super utile si vous avez un petit serveur 1.9 entre potes. C'est un nomode qui en une seule commande peut vous permettre de créer un Skywars. Et je sais que les Skywars vous en raffolez à chaque fois que je suis en live, vous m'en réclamez. Du coup je suis sûr que ça va vous faire plaisir, en tout cas j'espère. Vous allez copier et coller la commande qui se trouve dans la description, appuyer sur Done et ensuite vous l'activez. Voilà, donc ça va se lancer et vous avez maintenant la machine à Skywars. Maintenant vous allez faire comprendre à la machine où se trouve votre map de Skywars. Donc voilà, je vous ai fait une map très rapide de Skywars, voilà, avec 4 petites îles et une île centrale, et c'est avec cette base là qu'on va travailler. Mais bien évidemment vous, sur votre serveur, vous pouvez soit prendre une map qui existe déjà, soit en construire une un peu plus fun à votre sauce. Maintenant vous allez retourner à votre petite machine et faire un clic droit sur le panneau item, clique ici to get item, voilà. Maintenant on va commencer par faire comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la machine qu'il y a un monde de Skywars juste ici. Donc vous allez prendre cette là et vous allez faire un clic droit sur un panneau ici et voilà, vous avez spawné un jeu de Skywars. Franchement, hey, c'est pas trop stylé comme animation. Et regardez, vous avez bien la délimitation de toute la map, voilà, voilà. Donc ça c'est la map de Skywars, faut pas que ça dépasse, et vous pouvez voir que c'est bien délimité. Donc là le jeu a bien compris que dans cette zone il y a une map de Skywars. Maintenant évidemment on est dans un Skywars, donc il nous faut des coffres. Vous avez deux types de coffres, le normal et le épique. Donc le normal, on va dire qu'on va en mettre un par île tout simplement, c'est là où on va spawner. Donc voilà, je me suis foiré en fait, faut vraiment bien faire gaffe à poser sur un bloc normal, sinon ça va vous donner ça. Et maintenant un coffre épique pour le centre avec des items complètement pétés. Et en plus il y a des particules, regardez, c'est vraiment trop stylé quoi, c'est trop bien fait. Là pour l'instant il n'y a pas encore les items, comme vous pouvez voir, les items se généreront automatiquement et de manière random lorsque vous lancerez la partie. Maintenant vous allez avoir besoin d'une cage là où les joueurs vont apparaître, donc évidemment vous faites ça un petit peu en hauteur, on va le faire aller ici, un clic droit sur la cage et tadaan, voilà, c'est apparu. Vous faites ça pour toutes les îles, tag. Bon, moi je fais ça vraiment rapidement, hein, mais vous de votre côté vous pourrez bien sûr travailler beaucoup plus la map, hein. Et voilà, vous avez maintenant une magnifique map. Bon là c'est une vraiment mini miniature, mais voilà, au moins vous avez l'idée. Et maintenant il vous faut un lobby, du coup on va construire ça très rapidement. Voilà, mon lobby est prêt, je fais un clic droit sur cette zone et maintenant le jeu a bien compris qu'ici ça sera le lobby. Vous pouvez ensuite poser les panneaux et donc maintenant vous avez le choix, soit vous pouvez faire clic droit pour commencer le jeu, là donc vous avez ici, et vous pouvez quitter le jeu en droppant cet item de barrière. Mais vous pouvez aussi voler normalement au-dessus des feuilles et il y a du texte qui devrait apparaître. Voilà, ici, start game, vous cliquez dessus et voilà, ça va starter, ça va commencer dans 30 secondes. Et boum, voilà, c'est parti. Ah par contre j'avais... what the fuck? Ah bah oui, parce que je suis le seul, du coup il a compris que... Il a cru que j'étais le seul, du coup bah il a fait que comme quoi j'avais gagné quoi. Du coup j'invoque les renforts. Salut Miss GB. Salut. T'es au taquet pour une partie de Skywars? Oh oui, j'adore le Skywars. Eh bah t'as l'air en forme, c'est parfait. Du coup, eh bah je vais lancer la game. Allez hop, start game, c'est parti. Maintenant, il faut qu'on clique sur le panneau. Du coup, je clique sur le panneau, hein. Ouais, clic droit, voilà, c'est bon. Ah, je te vois. Alors, ça y est, t'es prêt, t'es bon, tu t'es prêt à gagner? Ouais, je vais te défoncer. Ouais, je vais te défoncer. Et du coup, voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai des loots. Je suis coincé sur un arbre. Ah, mais t'inquiète pas, on n'a pas besoin de toi, t'inquiète pas. Voilà, là, c'est les loots cheatés. Wow, ça, c'est plutôt balèze. Et voyons voir ce que t'as, toi. Oh, pas mal. Voleur. Du coup, voilà, les amis, c'est tout pour la présentation de ce nomode Skywars hyper stylé qui vous permet de faire des Skywars directement dans votre monde. Donc, c'est vraiment hyper pratique. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un max de likes. Si on pouvait atteindre les 5000 likes, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, les amis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Restez comme vous êtes. High five! Au revoir! Items. Voilà tous les items qui, bon, bah, de toute façon, c'est les mêmes items de Minecraft. Mais là, voilà les items qui ont été rajoutés où la texture a été changée. Vous avez ici.